Joyeux Noël, mon enfant. Merci beaucoup, papy. Mais papy, c'est quoi ça? Regarde, c'est là où j'habitais avant. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2020. Je vous présente l'actualité, avec pour commencer un reportage sur la fonte de l'Arctique. Les scientifiques expliquent la fonte de l'Arctique par le réchauffement climatique global de la Terre. Dans un premier temps, à cause de l'activité humaine, comme nous le montrent ces graphiques. La courbe bleue représente l'évolution de la température en fonction du temps, calculée par des modèles du climat du GIEC. Le graphique de gauche ne tient pas compte de l'activité humaine et celui de droite la prend en compte. La courbe orange représente à chaque fois la température réellement mesurée. Nous constatons donc que le réchauffement de la Terre est dû en partie à l'activité humaine et à sa production de gaz à effet de serre. Selon le 5e rapport du GIEC, il est extrêmement probable que les activités humaines soient responsables du réchauffement à plus de 95 chances sur 100 et donc responsables aussi de la fonte de l'Arctique. Pour expliquer une deuxième cause, je vous propose une petite expérience. Nous avons rempli deux cristalliseurs avec le même volume d'eau liquide colorée en bleu à une température identique. Nous les avons exposés à une lampe puissante qui représente le soleil. Nous avons mis 300 g de glace sous différentes formes dans chaque cristallisoir. Dans celui de droite, il y a des petits glaçons et dans celui de gauche, un seul gros bloc. Nous avons observé lesquels fondaient le plus vite et nous avons constaté que c'était les petits glaçons car l'effet de l'albédo est plus important sur le gros bloc. En effet, les petits glaçons laissent plus d'espace entre eux, donc l'eau absorbe plus la chaleur, ce qui n'est pas le cas du gros bloc. L'activité humaine et la fracture de la banquise sont donc deux causes de l'accélération de la fonte de l'Arctique. C'est maintenant la fin du journal, et tout de suite, une page de pub. Aujourd'hui, Nefissa sort pour acheter du pain. Elle hésite entre prendre la voiture ou son vélo. Comme c'est un petit trajet, elle décide donc de prendre le vélo.